En fait, au départ, je travaillais dans le développement agricole en Afrique et après dans les chambres d'agriculture. Voilà. Et après, j'ai intégré l'INRA et donc je suis ingénieure agronome de cette maison. Mais après, j'ai fait de l'ergonomie. Donc en fait, je m'intéresse à l'amélioration des conditions de travail normalement, plutôt des agriculteurs. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé avec les conseillers. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on me demande d'intervenir sur ce sujet-là. Donc j'ai effectivement travaillé avec les chambres beaucoup, mais aussi avec les SIVAM, un peu avec les centres de gestion, un peu avec les COP, voilà, bon. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai jamais travaillé quand j'ai travaillé sur le conseil, c'est le machinisme. Et donc j'ai plutôt travaillé sur les grandes cultures, mais quand on le verra, enfin j'ai essayé d'en parler, on le verra, c'est pas forcément un conseil qui met la technique et plus globalement le travail, enfin pas la technique, hein, les machines et plus globalement le travail, parce que c'est aussi la question, au-delà de la question des machines, c'est la question du travail, au cœur de la façon de faire du conseil. Mais néanmoins, ce que j'ai cherché à faire, c'est de vous donner un petit peu ce que j'ai réussi à trouver de ce qui se fait en matière de conseil sur les machines, pour peut-être aussi discuter de la manière dont il est fait. Et puis, progressivement, aller vers qu'est-ce qui se fait en matière d'accompagnement vers l'agroécologie paysanne et comment ça ne s'articule pas avec une certaine conception que peut avoir l'atelier paysan, justement, de travailler sur concevoir ces machines par soi-même et pas simplement les laisser concevoir par d'autres. Bon. Alors, je suis mal à l'aise parce que c'est pas du tout, c'est une vision que je vais vous donner assez à plat, un peu volontairement aussi, peut-être, et puis on discutera ensuite de ce que ça peut représenter. Donc, quand on dit accompagner vers une agroécologie paysanne, on pense tout de suite qu'effectivement, on veut passer par des photos, on peut symboliser ce qu'est la chimie versus une agriculture qui serait quand même plus intéressante du point de vue de la biodiversité et de la manière de gérer l'agroécosystème. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'on en a discuté, il y a des voies différentes de le faire. Donc ce que j'ai symbolisé ici par l'agriculteur qui utilise du numérique à fond et celui qui valorise l'observation et ce que racontait, je pense, Guy à travers l'intérêt qu'on peut avoir aux êtres vivants, pas simplement les considérer. Voilà. Mais aussi, comme a été évoqué, le fait qu'on travaille, derrière la question d'agroécologie paysanne, il y a aussi, j'ai repris échanger nos semences, c'est notre droit, et puis les AMAP. Donc on voit bien que derrière, il y a aussi une dimension de volonté de retourner sur des liens et sur de la communauté, des partages, de réappropriation d'un certain nombre de choses. Et donc c'est d'une certaine façon permettre à l'agriculteur de reprendre en main son système de travail. Donc c'est, comme je vous le dis, je suis ergonome, donc forcément pour moi le travail c'est important. Et donc je vais essayer aussi de discuter autour de ce que ça veut dire de reprendre en main son système de travail. Alors comme on l'a dit, je me suis dit que peut-être tout le monde ne savait pas quel était tout cet univers qui gravite finalement autour des agriculteurs. Et c'est vrai que quand je discute avec des collègues qui sont ergonomes et qui ne connaissent pas tellement le milieu agricole, qui sont plutôt des gens qui travaillent dans le milieu industriel, ils ont du mal à comprendre en fait comment est organisé il y a des ergonomes qui travaillent dans le monde agricole, en particulier à la NSA par exemple, mais il n'y en a pas tant que ça, et en fait ils ont du mal à comprendre comment on est dans notre univers. Et en fait dans notre univers, c'est par rapport à un monde industriel où finalement on sait qui prescrit le travail, hein, c'est souvent la hiérarchie et l'organisation interne. Chez nous, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de prescripteurs qui sont autour du monde agricole. Alors là j'ai mis le ministère, l'agence de l'eau, l'INRA, Arbalis, donc les instituts techniques, les coopératives, les centres de gestion, les chambres d'agriculture. Donc ça c'est les classiques. Il y en a qui sont moins classiques mais qui existent aussi, qu'on peut quand même mettre comme des sources de conseils, même si peut-être qu'ils discuteraient le fait qu'ils soient prescripteurs, mais néanmoins ils ont aussi leur façon d'appréhender les choses. Donc c'est tous les réseaux qui sont regroupés derrière le terme tout à fait élégant de ONVAR, Organisme National de Vocation Agricole et Rurale. Donc le TRAM, c'est l'ICUMA, les CIVAM, les Interafop, j'en oublie parce qu'il y a bien sûr plus que ça. Et puis donc on a aussi un certain nombre de réseaux qui se sont effectivement développés sur des échanges directement entre paysans. Donc même si derrière il peut y avoir des ingénieurs qui participent à ces échanges, donc j'ai mis l'atelier paysan avec vous, le OSEA, comme des exemples de ces réseaux qui se mettent en place et qui valorisent aussi justement les derniers outils disponibles pour
renforcer ses capacités d'échange. Alors ça ne veut pas dire que les autres acteurs qui sont là-haut, on en a parlé, hein, peuvent pouvoir développer aussi la valorisation de ces nouvelles technologies. Je pense qu'on voit bien qu'effectivement, il y a autour de la gestion de la donnée, il y a des choses qui sont en train de se jouer et qui sont en train de peut-être continuer à verrouiller le système, mais bon, là, ce n'était pas l'angle d'approche que je voulais prendre ici. Alors, ce qui me semble, c'est que, enfin, on l'a dit, on l'a beaucoup dit ce matin, les agriculteurs, ils ont un projet qui est le leur et qui mêle une grande diversité, donc ils ont une approche systémique de leur exploitation, de leur ferme. Ils ont un projet, ils vont être dans une trajectoire, ce qui ne veut pas dire qu'ils savent toujours. Quand je dis projet, ça ne veut pas forcément dire on sait où on va, c'est très clair, on a des valeurs et on a envie d'aller dans un sens, on veut défendre un certain nombre de choses. Pour ça, on est dans une trajectoire. C'est aussi une production de l'emploi, des services, de la valeur ajoutée qu'on produit. Et pour tout ça, on a un certain nombre d'éléments qui constituent, j'essaie d'en représenter le foncier, le statut juridique, la gestion, etc. Alors pourquoi j'ai fait ça? Simplement pour montrer que derrière, il y a plein de sources de conseils, et que tous ces conseils-là, en fait, ils sont super segmentés. C'est-à-dire qu'on va avoir le conseiller éventuellement qui va faire l'installation, le conseiller qui va faire du marketing, celui qui va faire la gestion, celui qui va faire l'agroéquipement, Et tous ces gens-là ne se parlent pas toujours forcément ensemble, et c'est parfois pas dans les mêmes structures. Donc c'était aussi pour dire il y a cette segmentation qui s'affronte à quelque chose qui est porté et de caractère unique, et qu'il y a un problème de faire face à cette diversité de sources de conseils, avec parfois des antagonismes dans la manière de prendre les problèmes, ou en tout cas des impensés, ou des trous noirs. On en parlait ce matin, je pense, avec le collègue de l'Interinfone, qui expliquait que finalement, quand on fait du conseil en gestion, parfois, les éléments les plus techniques en fait, du système, on les oublie éventuellement. Alors moi, par contre, ce que je vais faire, parce que justement, moi, j'avais le conseil technique, hein, donc je n'étais pas sur l'ensemble de tous ces conseils que je vous ai montrés là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous évoquer finalement le conseil ou l'accompagnement, hein, comme disait Jean-Claude. Voilà, on ne va pas invoquer le terme. Est-ce que c'est technique d'ailleurs, ou c'est de l'accompagnement dans une transformation ou dans des projets? Et du coup, je vais me situer effectivement sur matériel agricole, agroécosystème et sans doute un peu les éléments liés au collectif de travail. Et on va essayer de voir ce qui se fait en matière de conseil sur ces sujets-là. Alors, je vous ai plutôt en fait mis un certain nombre de photos, de prestations qui sont offertes en matière de conseil. Donc, une première façon d'aborder en fait la machine agricole ou les outils, c'est de raisonner les charges sur le matériel, les charges de mécanisation. Donc ça, c'est une entrée économique sur le matériel. Alors on va faire une analyse des charges, on va faire les plans de recouvrement de l'investissement, on va essayer de raisonner, donc on est dans une approche très rationnelle de ces coûts, et on essaye aussi de les raisonner par rapport à l'aléa climatique, donc essayer d'avoir un certain confort par rapport aux aléas climatiques. Et finalement aussi des discussions qui peuvent avoir lieu dans ces prestations qui sont faites. Alors soit c'est par les chambres, soit c'est par les CUMA, essentiellement c'est deux types de prestations. Mais je pense que certains centres de gestion les offrent aussi. La façon dont on souhaite être autonome ou pas dans la réalisation de ces chantiers, et d'engager aussi une discussion collective sur le sujet entre des acteurs qui peuvent vouloir travailler ensemble en CUMA, ou qui peuvent vouloir travailler ensemble avec une mobilisation d'entreprise, etc. Donc ça, c'est un premier type de service qu'on trouve sur les machines, donc en entrée économique. Deuxième type d'entrée, qui sont là essentiellement portées par le CUMA, c'est on va discuter autour de problèmes de dimensionnement en fait, de son matériel, avec une gestion collective. Donc là, on va rentrer dans l'articulation machine et humain, et donc aborder des questions, des projets aussi de chacun, par rapport à la question de l'autonomie. Et de certains choix d'assolement qui peuvent être faits, puisque là on voit qu'on peut aller jusqu'à discuter d'un assolement en commun pour mettre ensemble son matériel et aussi ses terres. Alors,
ce qu'on constate, en fait, ce qui me semble, c'est que quand on regarde ces prestations-là, là encore, la dimension strictement technique, c'est-à-dire l'agronomie, enfin tout ce qui va concerner le travail de la terre ou le travail avec les animaux, n'est pas nécessairement centrale. Néanmoins, ça va forcément apparaître à un moment donné quand on discute des projets de chacun et de la manière dont on souhaite utiliser le matériel. Mais quand on regarde la manière dont se déroule la prestation, ce n'est pas forcément au cœur de ce qui va être traité. Alors après, ça vous connaissez tous, c'est des démonstrations de matériel qui sont faites par en général avec des concessionnaires. Souvent c'est aussi parce que bon, un certain nombre d'acteurs qui sont dans des chambres ou qui veulent inviter des gens à des journées portes ouvertes, ils disent c'est bien, on va avoir du matériel, ça va faire venir du monde. Et donc voilà. Mais en même temps, ce qui est quand même intéressant dans ces réunions-là, c'est que souvent ça permet quand même de voir comment ça fonctionne. Donc on rentre un tout petit peu plus. Donc, tiens, comment les dents elles font bouger la terre, voilà, comment ça permet réellement de faire mon semis direct. Donc ça génère quand même des débats pour le coup entre les agriculteurs autour des machines et des débats qui sont sans doute plus techniques, même si effectivement globalement qu'est-ce qui se passe même si effectivement pour l'instant on reste quand même sur du marketing de machines et la volonté plutôt de vendre les machines en question. Alors, un petit pas plus loin dans la manière de permettre finalement à l'agriculteur de s'approprier un peu la façon dont la machine fonctionne, c'est cet exemple qui est emprunté au syndicat des bassins versants de Caux-Seine, où en fait, c'est l'agence de l'eau qui a décidé de financer un matériel en commun pour que ce matériel puisse être testé par les agriculteurs. Donc là, il s'agit d'une eau rotative, avec l'idée qu'on va permettre de développer des pratiques effectivement plus respectueuses de l'environnement, permettant donc de faire du désherbage mécanique, et puis en plus, comme on est dans dans le pays de Caux, d'avoir un effet sur le travail du sol qui permet de limiter les problèmes d'érosion, et donc proposer la machine, ça c'est une prestation qui est faite, pour proposer la machine à un prix gratuit pour que les gens testent, voient ce que ça donne chez eux, et leur permettent donc d'apprendre à utiliser cette machine. Alors il y a à côté de ça un certain nombre de recommandations hein, qui sont faites, comme vous le voyez, à quoi elle sert, à quel moment il faut intervenir dans la culture, à quel moment ça marche plus ou moins, et puis des comparaisons éventuelles avec d'autres types de machines. Dans le même état d'esprit, on a aussi ces modalités de présentation des outils. Donc on présente la RC-Trille dans le cadre d'AgroTransfert Picardie, là aussi dans un programme où on veut aider des agriculteurs à sortir du tout chimique. Et donc on essaye, on leur donne là, alors si on regarde la manière dont c'est présenté, on voit qu'il y a à la fois des données d'utilisation, des données sur des paroles d'agriculteurs, des éléments qui permettent de comprendre quand est-ce que ça fonctionne plus ou moins, des éléments sur les stratégies qu'on peut mettre en place en combinant la herse, en la passant plusieurs fois, en la combinant avec du chimique, enfin voilà, donc un certain nombre de recommandations. Et puis, donc in fine, on la compare avec d'autres outils d'herbage en leur donnant les points forts et les points faibles. Donc ça, on est encore dans une approche très... on va dire technique qui essaye d'apporter la preuve et de montrer que ça a des effets positifs et qu'on peut se permettre, donc on essaye de rassurer par la preuve technique, les résultats techniques, que ça peut être des outils intéressants. Alors, alors là j'ai un petit souci, mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est parce que évidemment j'ai pas la connexion internet, donc je peux pas vous montrer. J'avais un petit film d'un conseiller agricole qui, du coup, lui, fait des vidéos. Donc, c'était aussi pour vous montrer comment aujourd'hui des conseillers agricoles peuvent essayer de faire passer une certaine compréhension des relations entre la machine et le sol et la plante par l'usage d'outils vidéo. Donc, il explique, donc il se met en scène et puis il joue plusieurs rôles, il fait venir. Enfin, c'est très dynamique. Éventuellement, ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. Donc, c'est un conseiller de chambre qui fait ça. Mais c'est intéressant parce que, du coup, ce qu'il fait en faisant ça, c'est qu'il essaye d'amener, finalement, l'agriculteur dans un raisonnement de la manière d'utiliser son outil. Donc, il essaye de débobiner comment se fait ce raisonnement et permettre de réfléchir aux conditions d'usage de son outil.
et quelles conséquences, et il montre avec des photos quelles conséquences ça a. Donc il essaie de créer une sorte de petite expérience virtuelle, parce qu'on ne peut pas l'utiliser au champ, enfin la machine, donc il essaie de créer une petite expérience virtuelle parce qu'il montre sur cette vidéo. Alors, ça c'est ce que j'ai trouvé, je vais revenir en arrière, c'est ce que j'ai trouvé finalement comme type de conseil sur lequel on parle des machines et des liens potentiels entre les machines et l'agronomie. Et bon, je reviendrai sur la façon dont on, en conclusion, sur la façon dont on parle de ça, mais on voit bien que finalement, on parle beaucoup de l'usage des machines, on en parle un peu, mais on n'en parle pas forcément d'abord de l'entretien des machines. Il y a beaucoup moins de choses autour de la formation à l'entretien. Il y a des formations à l'entretien, mais il y en a quand même peu. Et puis à tout ce qui est justement conception. Donc on est dans comment on peut rationaliser l'usage, comment on peut rationaliser les coûts, mais pas forcément dans comment on s'y prend pour penser une machine qui va répondre à des enjeux que je me donne moi-même. Et globalement, donc ce que je voulais ce sur quoi je voulais maintenant enchaîner, c'était le fait que finalement, on n'a pas forcément toujours une pensée de l'agriculteur dans la diversité de ce qu'il fait comme travail. Donc on insiste souvent sur l'agriculteur décideur, autonome dans ses décisions, mais finalement, ici, ce que je voulais essayer de vous montrer à travers ça, c'était la façon dont on peut éventuellement l'aborder comme quelqu'un qui fait un travail dans une activité où il va mobiliser à la fois le fait de faire, le fait de réfléchir sur ce qu'on a fait. Donc comme disait Guy tout à l'heure, en fait, puis après peut-être on se dit tiens voilà pourquoi. Et puis aussi, comme l'a dit Guy d'ailleurs à propos des semences, comment on crée aussi nous des choses, voilà, on travaille avec, donc c'est une dimension un peu créative, et finalement on n'en parle pas assez. Alors ce que je voulais pointer ici, et ça là c'est aussi parce que c'est dans les débats que je vais avoir avec des collègues ergonomes qui m'amènent à aussi essayer de dire les choses comme ça, c'est que là encore dans les entreprises, si vous regardez ce qui s'est passé dans le monde industriel, on a séparé donc les exécutants, on a fait le bureau des méthodes. Donc le bureau des méthodes, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui conçoivent le système de production. Et puis on a effectivement les managers qui sont les gens qui organisent le travail, et puis on a les exécutants. Or ça, dans l'exploitation agricole, a priori, les trois sont réunis dans la tête du bonhomme ou dans le collectif de travail, même si bien sûr il y a d'autres acteurs tout autour qui vont intervenir et qui vont avoir des effets potentiels sur ces trois dimensions. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand on doit accompagner un agriculteur et qu'on veut intégrer ces trois dimensions-là et pas simplement le prendre comme un exécutant, le prendre comme un organisateur et surtout le prendre comme un décideur, parce que quand on dit décider, finalement on n'a pas dit grand chose, si ce n'est qu'on a peut-être dit qu'on le voyait comme un individu rationnel. Parce que souvent, quand on aborde la question de la décision, on l'aborde à travers des modèles de rationalité, même si on dit qu'elle est limitée. Je pense que quand Guy tout à l'heure nous a présenté ce qu'il nous a présenté, il a dit des choses sur son rapport à la situation, donc ici la situation de travail, donc il réagit en fait à la situation, qu'il observe, et ça c'est pas forcément effectivement un processus de décision. Donc il faut aussi qu'on se sorte de ce modèle où on voit toujours les gens comme des décideurs, même si on peut trouver que c'est bien de dire que les gens sont des décideurs, mais en fait ils sont plus que ça d'une certaine façon. Et du coup, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire finalement amplifier des capacités d'observation et d'étonnement. Bon, les hirondelles n'étaient pas là, mais en fait, Guy il a mis du temps à s'en rendre compte. Donc, comment, à un moment donné, on est pris dans des routines d'observation et comment on peut en sortir aussi de ces routines d'observation? Parce que si on doit changer, parce qu'on doit être plus attentif à certains éléments du climat ou plus attentif à la biodiversité, ben, il va falloir changer ces routines d'observation. Voilà, comment on peut réorganiser les moyens qu'on a à disposition et comment on peut les agencer autrement. Donc c'est peut-être effectivement comment on peut imaginer des nouveaux collectifs de travail, comment on peut imaginer des nouvelles machines, et puis effectivement comment on peut soi-même explorer un certain nombre de pistes, combiner des choses différemment. Alors si on regarde ce qui se passe dans le monde du conseil agricole qui essaye d'accompagner les agriculteurs vers l'agroécologie. Alors, je n'ai pas pris d'exemple de ce que vous faites dans les systèmes, je suis désolée.
mais ça aurait pu être le cas avec un certain nombre de travaux. Je vais y revenir à la fin quand même. Donc là, je vous ai juste pris un exemple, c'était pour vous montrer que dans le monde agricole, même standard, donc, qui est plutôt le monde des chambres, des instituts techniques, un peu de l'enseignement agricole et puis de l'INRA, donc à travers le RMT, donc réseau mixte thématique, système de culture innovant, il y a eu comme ça des outils qui ont été proposés pour aider les agriculteurs à reconcevoir des systèmes ensemble, des systèmes de culture, et puis essayer ensuite de les mettre en place. Donc ça, c'est, voilà, je vous ai juste mis un exemple pour illustrer comment. Alors on peut discuter, on peut trouver que c'est très, là encore, rationalisant dans la manière de faire la conception. C'est juste pour dire qu'il y a un certain nombre quand même d'acteurs du monde agricole qui sont en train justement de réfléchir. Donc qu'est-ce que ça veut dire accompagner la conception et pas simplement accompagner l'usage. Là encore, on parlait des échanges de savoir, des compétences, enfin la question de ce qu'on fait des connaissances. Alors là encore, on peut en discuter, c'est discutable. Il y a effectivement aussi un effet sur mettre en place un système de gestion des connaissances qui vise à permettre à différents acteurs d'apporter leurs connaissances sur l'agroécologie avant même qu'elles soient totalement garanties par des essais, les multiples essais variés. Donc il y a aussi une manière de qualifier la connaissance par le porteur de cette connaissance. Alors évidemment, il y a eu des débats assez houleux, on pourra en discuter, sur... qui va porter ce portail, enfin, voilà, on retombe sur des questions, je ne sais pas si c'est de gouvernance, si c'est des questions, enfin c'est des questions qui sont liées à qui va appartenir cette connaissance et comment, enfin, la communauté qui va se retrouver derrière, et pour l'instant c'est absolument pas réglé de mon point de vue, mais voilà, ça existe et ça, c'est des tentatives pour essayer de neutraliser un certain nombre de ressources qui peuvent aider à repenser effectivement une agriculture agroécologique. Donc aussi des tentatives qui sont faites pour changer les repères qui sont utilisés par les agriculteurs pour, donc on parle de ces fameux tours de champ qui sont faits et qu'on peut enseigner. Mais en fait, si on regarde ce qui se passe dans le conseil agricole classique, c'est qu'on a toujours eu des tours de champ, enfin, vous le savez tous sans doute mieux que moi, mais souvent c'est des tours de champ qu'on fait au moment où il faut traiter et au moment où on va dire bah, tiens voilà, on te rappelle les bonnes règles d'observation et on te rappelle que bah, si tu as le temps de méligette dans ton champ, à un certain stade il va falloir que tu traites, enfin je caricature mais c'est quand même potentiellement ça. Et le problème, c'est finalement quand est-ce qu'on peut aider à sortir de ça et faire fonctionner autrement la manière de regarder le champ. Donc là, j'ai juste pris un petit exemple qui a été dans une aire d'alimentation de captage. Donc c'est des repousses qui sont dans un champ de colza. Je pense qu'il y a eu aussi un semi d'un couvert. Et donc la question, c'est est-ce que c'est réussi ou est-ce que c'est pas réussi ce couvert. Donc la plupart des gens disent, enfin bon, l'agriculteur... potentiellement, il dit moi qui ai investi dans la semence, je ne vais pas m'y retrouver. Certes, c'est possible. Mais l'agronome de service, il va dire bah oui, c'est réussi parce qu'en fait, on cherchait à ne pas avoir de reliquats sortis à la sortie de l'été d'azote dans le champ. Et si ça ne pousse pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu de reliquats. Donc, c'est plutôt bon signe. Alors que tout le monde va dire mais quand même, c'est pourri ce couvert. Quoi. Et donc, il faut changer ses repères. Et donc, aider à changer ses repères, voilà, c'est aussi des travaux qui sont en cours. Pour permettre aux agriculteurs de penser l'agroécologie. De certains agriculteurs qui ont été effectivement habitués à traiter et à avoir des repères de ce que c'est qu'un beau champ et oui, voilà, un beau champ qui rend bien. Donc la dernière, par contre, la dernière diapo avant la mise en débat de tout ça, c'est de vous dire aussi que finalement vous avez constaté que malgré tout, on discute peu du travail. En tant que tel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça demande finalement comme travail de faire tout ça, en termes de, et justement comment on s'y prend pour faire changer en fait, pour changer nos façons de faire du travail, et ça rejoint à changer aussi peut-être les valeurs qu'on avait, auxquelles on adhérait, hein, donc on a bien vu ce matin autour du tracteur, les valeurs qu'on a autour de ça, donc il y a un problème aussi de remettre en question en fait un certain nombre de choses qui sont liées à ça.
Par rapport à ce que vous dites sur le soutien aux initiatives locales, on peut quand même signaler juste que, alors c'est marginal, hein, je suis d'accord, ok, mais il y a eu ce mouvement avec le partenariat européen à l'innovation, ou le mouvement sur l'immobilisation collective, etc., qui veulent soutenir les innovations, qui ont cette ambition. Alors après, je pense que les outils de la politique publique, je parle sous couvert de gens du ministère, sont pas forcément adaptés pour réellement faire ce soutien-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les bons instruments, même si on a l'intention. Et puis, pour avoir suivi un peu ce qui peut se passer sur les Cofito, où ça partait de la même idée, d'une certaine façon, de vouloir soutenir des collectifs. Au lieu de soutenir des collectifs, on a soutenu une structure. Voilà, on n'a pas les moyens de mettre en œuvre la politique qu'on souhaiterait mettre en œuvre. On délègue, et du coup, à un moment, on délègue à un organisme qui finit par finalement reproduire des choses. Donc là, on voit bien les limites, mais on sent des frémissements dans certains instruments de politique publique pour aller dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression qu'il y aurait quand même besoin d'améliorer un tout petit peu ces instruments. Après, est-ce que la réponse des corps intermédiaires, je ne sais pas si c'est le bon terme, les corps intermédiaires, mais je pense qu'effectivement, la réponse pour l'instant, elle n'est pas du tout à la hauteur. Hein. Et en plus, je pense aussi que la difficulté, c'est que la plupart restent quand même sur le champ vraiment strictement technique, alors qu'il faudrait pouvoir articuler à d'autres dimensions du système. C'est-à-dire ce qu'on a vu. Mais ça, c'est des compétences dont on ne dispose pas vraiment aujourd'hui dans cette population, on va dire, d'acteurs intermédiaires, enfin, pas dans le sens. Ou alors on a des acteurs qui sont des porteurs de projets territoriaux, mais qui ont été formés plutôt à la gestion de projets, que de rentrer vraiment dans les contenus aussi. Et à un moment donné, il faudrait arriver à pas simplement gérer un projet et à gérer les sous, il faudrait aussi pouvoir aider à rentrer dans les contenus, dans les problèmes. Voilà. Donc du coup, c'est pour l'instant, moi, je ne trouve pas qu'on soit bien équipé au niveau de ce corps-là. Mais c'est vrai un peu dans tous les réseaux, si je peux me permettre, que les publics sont un peu moins chers. Les gens arrivent à continuer à échanger et à développer de nouvelles. Enfin, c'est comme pour les agriculteurs, finalement. On continue à développer son savoir et en échangeant. Et ça, je ne vois pas autrement que de prendre son bâton de pèlerin et puis de continuer à faire que ça se démultiplie et que les gens aient un peu la niaque pour le démultiplier. Parce que pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas comment ça peut être soutenu. Mais si vous avez des bonnes idées, on n'est pas là. Peut-être qui, moi, me préoccupe aussi, c'est que, de fait, dans les groupes, les agriculteurs qui viennent dans les CIVAM, enfin, c'est peut-être parce qu'on me l'a beaucoup renvoyé dans les dents, mais les agriculteurs qui viennent dans les CIVAM, souvent, ils ont envie de quelque chose. Enfin, ils sont prêts à être dans un mouvement. Et qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui ne sont pas prêts à être dans un mouvement? Et donc, quand moi, j'ai travaillé avec des agriculteurs, avec des conseillers plutôt, qui sont dans des aires d'alimentation de captage, avec des agriculteurs qui n'ont absolument pas envie de changer, comment ils font, quoi? Et donc, c'est là aussi que vient se mêler dans leur activité l'injonction des pouvoirs publics avec l'injonction d'accompagner des gens qui ont envie ou pas envie de changer. Quoi. Et cette articulation-là d'une injonction à l'environnement, par exemple, mais pas à l'environnement réglementaire, quand ils commencent à prendre au sérieux la chose, pas simplement en disant « bon, on va faire le réglementaire, on va permettre aux gens de satisfaire la réglementation », et quand on veut l'embarquer comme une vraie nouvelle dimension, ou quand on veut embarquer le changement climatique comme une vraie nouvelle dimension dans le Conseil, alors que les agriculteurs ne sont pas tous convaincus que c'est ça qu'il faut faire, ben comment on y va? Et c'est pas uniquement toujours... Enfin, le temps d'échange, il est important, mais il y a quelque chose sûrement avant qui est aussi compliqué, et puis il faut tenir ensemble des injonctions qui ne sont pas... Mais on pourra en discuter. La question des échanges de pair à pair, je pense que
historiquement, ça existe depuis très très longtemps. Enfin, il faut quand même resituer. Ça a toujours été quand même les groupes au départ, les groupes qui se sont mis en place pour le développement agricole, c'est plus bien aussi avec ça. La manière de faire de l'échange de pair à pair, par contre, a pu évoluer. Et je pense qu'effectivement, quand on a des moyens de soutenir cet échange de pair à pair et de permettre éventuellement des formes de capitalisation de ces échanges, voilà, je crois que le réseau OSAE, par exemple, il est typiquement dans la vision de tout ce que tu dis. Je pense que dans Agricou, il y a des choses qui sont construites comme ça. Ce que j'ai, pour avoir fréquenté, avoir travaillé avec les CIVAM, le fait de faire venir des experts et d'être là en animateur de ces échanges, c'est une pratique, c'est ancré dans leur logiciel, je pense. La question, c'est aussi, pour moi, comment on choisit l'expert qu'on fait venir, comment on est en capacité de le questionner pour, avec les agriculteurs. Donc, il n'y a pas qu'un savoir-faire uniquement de créer du lien, on va dire. Il y a aussi un savoir-faire de bien trouver le bon registre par rapport à la dimension technique des choses. Alors après, par rapport à la PCA, la PCA n'a pas de fonction organisatrice du réseau, si je peux me permettre. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent la PCA, mais enfin, c'est pas très grave. Pour y avoir travaillé, et donc je sais de quoi je parle, mais ça n'a pas vraiment changé. Et je pense que si on veut travailler avec les chambres, il vaut mieux travailler finalement avec certains acteurs de certaines chambres plutôt que de travailler avec la tête de réseau, parce que c'est tout de suite, d'abord ça n'a pas forcément beaucoup d'effet, c'est pas toujours facile non plus de travailler. Après, la question de, là après c'est vers les pouvoirs publics, il y a une question, parce que pourquoi finalement, la difficulté c'est que quand on dit il va falloir que les moyens de soutien des collectifs passent par des animateurs, et que c'est des structures qui vont déposer les dossiers, les capacités de dépôt de dossiers par des structures comme les chambres ou comme les coopératives, elles sont plus fortes que les capacités de... Voilà, c'est juste, mais pas en termes simplement de nombre, c'est même en termes de capacité de réactivité, compte tenu des formes d'organisation qu'on a mis en place pour répondre à des appels à projets. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est que, non, mais quand je dis ça, c'est pas pour dire que vous avez pas des, vous savez pas répondre à des appels à des projets, mais ça vous demande du temps. Tu vois, il y a moins de matelas, on va dire, de trésorerie pour faire ce travail-là, qui est un travail qui peut ne pas déboucher sur un retour sur l'investissement qui a été fait. Et le matelas, il n'existe plus dans les grosses... C'est ça que je veux dire, c'est pas plus que ça. C'est pas un savoir-faire, c'est une question de